Bonjour à vous, mes chers, en ce jeudi 25 février, toujours à La Réunion. J'ai mis 2 ou 3 jours avant de finir cette carte qui est pour moi aujourd'hui un appel à mes sœurs, un appel à mes Catherine, qu'on s'entende sur le sens profond de cette expression, en en parlant hier avec ma maman, si éclairée, si fine, si à l'écoute. J'ai entendu aussi dans Catherine la notion de mélange, de café au lait, de capacité à mélanger toutes ces identités. Et c'est pour ça que je vous accueille sur la musique de Kate Bush, 50 Words for Snow, Among Angels, parce que voilà ce que nous sommes, des anges qui chutons dans la dimension terrestre avec toute l'audace et la force de notre esprit d'aventure, de notre estime de soi, de notre capacité à croire que nous allons pouvoir, oui, avec nos petits muscles, les déplacer, ces montagnes, que nous allons pouvoir sauter encore, quel que soit notre âge, de 7 mètres de haut, et de faire des saltos qu'on n'a jamais fait dans un bassin inconnu, au bout d'une route qui tourne, qui monte, qui traverse la jungle, et on y arrive. Toutes ces formes-là que je vis aujourd'hui à La Réunion, ce sont des formes qui me montrent à quel point nous pouvons traverser tous les univers, toutes les dimensions, si nous avons à l'intérieur de nous la force de la Catherine, notre capacité, notre puissance à rentrer et à être dans le monde au lieu de subir le monde. Et c'est pour ça que je vous appelle avec la force de Xerda la guerrière. Vous voyez ce qui lui est arrivé à Xerda, force, audace, affirmation de soi, qui était dans ce sens-là et qui m'a accompagnée hier au bassin Langevin et qui m'a permis d'oser, de faire mon plongeon arrière comme je faisais quand j'avais 20 ans, en me disant, ben voilà, tente encore, ton corps est vivant malgré 2 orteils foulés, j'avoue hein, que je ne l'économise pas, mais quel bonheur de sentir dépasser les injonctions de « c'est dangereux », on a vu un requin hier, je sais plus, pas la pointe au sel, mais de l'autre côté, c'est pas très loin de là où je me baigne, de là où il y a les surfeurs qui vont surmonter ces vagues gigantesques. Et ce matin, à 7h, ben, j'ai pris mon bain, je me suis baignée dans cet élément magnifique, avec la confiance de la Catherine, que le monde est de mon côté. Ça ne veut pas dire l'inconscience, je parle de confiance. Et je vous exhorte, même en métropole, même avec des mots qui vous heurtent, et je pense à ma douce amie Flo qui se reconnaîtra, et je te dédicace, tu le sais que je te dédicace cette chronique, et je sais que ton cœur a été atteint de choses qu'on te disait qui te heurtent, qui heurtent ta sensibilité. Je pense à ma petite Zouzou qui vit des choses difficiles aussi. Je pense à vous toutes mes Catherines, je pense aussi à Valérie, toutes vous vous reconnaîtrez, mais moi j'ai confiance dans votre force de Catherine, et ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que cette puissance-là de notre âme, nous femmes à venir dire à ce monde encore patriarcal, encore tellement saturnien, encore tellement dirigiste et rigide, soyez fluides, ce sont des formes, laissez les formes s'agiter devant vous et sentez à quel point vous pouvez être fluide dans ces formes, vous pouvez les regarder sans qu'elles vous atteignent. Voilà pourquoi je voudrais vous lire mon texte à présent, parce qu'il est déjà 4 minutes 21 et j'essaye de ne pas dépasser. Xerda, appel aux Catherine. Je plonge dans un bassin d'eau claire et si limpide, et la traversée fulgurante de ces grandes eaux me met au monde. Haï, oser plonger à corps entendu dans l'inconnu nous renvoie au plus familier. Reconnaissance, born anew, nacimiento sagrada de todo el ser.
Tout Ban Grand Moon, Grand Caf, Grand Cafrine, l'était d'abord Timarmaï. De petite, j'étais vêtue de misère autant que de trésor. Me voici Cafrine, peau et âme métisse, identité confondue et alliée, force de l'union de tous les vents, les alizés, les courants, les paysages. Xerda, oser être soi dans toutes nos émanations, ici, ailleurs, aujourd'hui, ni espace ni temps pour se plonger dans Cafrine. Et aujourd'hui, c'était l'arbre de communiquer. Donc il me semble que c'était vraiment important que je me positionne dans ma volonté, ce que je veux, ce que je ne veux pas, que je, avec l'aide de mon intuition, que j'apprenne à me relier à mon pouvoir, que je demande à mon enfant intérieur de grandir assez pour devenir, hop là, j'ai chointé ici parce que voilà, à mon enfant intérieur, de grandir pour devenir cette Cafrine au monde. Et juste avant de vous quitter, je tire ma carte qui est ma résolution dans l'arbre d'aimer. Un petit moment. L'étape. Je suis arrivée à l'étape de mon voyage. Je vous embrasse, je vous dis à demain et surtout à très vite, c'est quand ? Samedi pour la pleine lune, la deuxième pleine lune de cette année. Belle journée mes Cafrines, mes Caf et mes Cafrines.